L'audition à la brigade financière remonte au 17 juillet dernier. Ce jour-là, Françoise Bettencourt-Meyers est interrogée sur un prêt de 300 000 euros consenti en novembre dernier à Claire Thibault, l'ancienne comptable de ses parents. Les révélations de cette dernière sont à l'origine du volet politique de l'affaire, mais aussi des accusations d'abus de faiblesse qui mettent en cause Patrice Demestre et François-Marie Bagné. Les enquêteurs pourraient chercher à savoir si ce fameux prêt n'était pas une contrepartie financière au témoignage de la comptable en faveur de la fille de la milliardaire. De nouvelles investigations que salue l'avocat du photographe. Nous sommes évidemment très satisfaits de savoir que la brigade financière enquête sur ce sujet-là. Nous considérons qu'il y a au dossier des éléments qui permettront à la justice de dire que le témoignage de Mme Thibault et de quelques autres personnes n'est pas sur bien des points conforme à la vérité. Le prêt de 300 000 euros a été fait dans les formes et en dédommagement du licenciement de Claire Thibault, explique son avocat, Maître Gillot, qui dénonce un acharnement sur un témoin gênant. Je rappelle que dans cette affaire, ma cliente est témoin, qu'elle n'a pas été mise en examen alors qu'il y avait eu 3 plaintes qui avaient été déposées contre elle, qu'à l'inverse, M. Mestre est lui mis en examen, qu'il sera très probablement renvoyé devant le tribunal correctionnel. Eh bien, nous verrons, le moment venu, si, comme le dit M. Mestre et M. Bagné pour leur défense, le témoignage de ma cliente est un témoignage qui est inexact, faux, ou même, mais ce qui est totalement abusif, acheté. L'ancienne comptable des Bettencourt doit être à son tour entendue dans les prochains jours.